Salut à tous, c'est Emeric de Emeric's Timelapse et bienvenue dans mon nouveau cours, les paramètres parfaits pour un timelapse parfait. Après des années à tourner des timelapses, je me rends compte que beaucoup de monde ne se sentent pas aussi à l'aise qu'ils le devraient avec la sélection de leurs paramètres et de leurs intervalles en photographie timelapse. Et c'est très important. Les paramètres vont donner le look et la douceur du clip, alors que l'intervalle va définir la vitesse et le nombre de photos que vous aurez à la fin. Il est très important que vous contrôliez ces deux choses-là pour créer de superbes vidéos timelapse. Et c'est pour ça que j'ai créé ce cours, les paramètres parfaits pour un timelapse parfait. Dans ce cours d'une heure, je vais vous expliquer ma technique pour choisir mes paramètres et mon intervalle pour un timelapse de jour avec et sans filtre ND. Puis je vais faire un cours détaillé sur les timelapses jour-nuit. Je vais me focaliser seulement sur les paramètres et la transition manuelle bulb ramping. Enfin, je vais vous montrer comment je choisis mes paramètres et mes intervalles pour des timelapses de nuit et des timelapses avec mouvement. Si vous avez besoin d'aide pour choisir vos paramètres et intervalles en photographie timelapse, eh bien ce cours est parfait pour vous. Vous pouvez télécharger le cours en suivant le lien dans la description ou les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao !